Dans la vie, on peut dire qu'il y a ceux qui agissent comme des moutons, suivant le troupeau et se laissant marcher dessus. Et il y a ceux qui réussissent, ceux qui sont prêts à tout pour être au sommet. Comme vous devez vous en douter, j'appartiens à cette deuxième catégorie. Je ne recule devant rien pour parvenir à mes fins. Quand d'autres profèrent des menaces en l'air, moi j'agis. Mes ennemis font rarement long feu. Ah, bien sûr, ce n'est pas toujours simple. Et je devrais peut-être m'inquiéter un peu plus de la police. Mais l'argent fait bien des choses, voyez-vous. C'est si tentant pour quelqu'un de fermer les yeux sur les agissements d'un criminel, en échange d'argent, pour soigner son pauvre petit enfant malade, ou juste de vouloir protéger sa famille contre un dangereux psychopathe envoyé par une personne puissante. L'argent, c'est le pouvoir. Si on a de l'argent, les nerfs assez solides, et que l'on est suffisamment stratège, on a vite le monde dans la paume de sa main. Et moi, ce monde, je m'amuse à le faire danser. C'est si drôle de voir tous ces gens paniquer au moindre de mes froncements de sourcils. Oh non, pitié, me virez pas, j'ai besoin de ce travail. Ou encore, ne me tuez pas, j'ai une femme et des enfants. Pff, pathétique. Leurs vies sont si pitoyables que ça en est risible. Oh, ne me jugez pas. Moi aussi, j'ai déjà été l'un d'eux. Mon ascension, je ne la dois qu'à moi-même. Bien qu'il a fallu que je marche sur les autres, que je les écrase pour cela. Vous pouvez m'insulter autant que vous voulez. Je n'ai aucun regret. Lorsqu'on ne recule devant rien, on obtient ce que l'on veut. Et c'est tout. Il faut s'accrocher à avoir de la force pour grimper les échelons comme je l'ai fait. En fait, on pourrait presque dire que c'est le karma qui m'a récompensé pour ma persévérance. Mais assez parlé de ma vie. Je ne suis pas venue pour ça. J'ai besoin de vos hypothétiques connaissances en créatures surnaturelles et en paranormales. À supposer que ce soit réel. Et que ce soit clair, je ne croirai qu'en une chose, un tant soit peu crédible. Ne me sortez pas des choses absurdes comme des vampires, des farfadets ou je ne sais quoi encore. Bien évidemment, si vous résolvez mon problème, vous serez gratement payé. Mais ne cherchez pas à me tromper, car je le saurai tôt ou tard. Et comme vous le savez, j'ai les moyens de vous le faire regretter amèrement. Maintenant que tout est dit, voici mon souci. Depuis 3 semaines, j'ai l'impression d'être observée où que j'aille. Parfois, j'ai même l'impression d'être suivie. J'entends des bruits derrière moi, ou alors j'aperçois comme une ombre derrière moi. Mais quand je me retourne, il n'y a rien, ni personne. Et pourtant, j'ai toujours un frisson, et la sensation d'être gelée sur place quand je scrute mon environnement. Mon corps pressent un danger, mais je ne sais pas lequel. Vous devez vous en douter, avec ma fortune et mon influence, ce n'est pas la première fois que l'on cherche à s'en prendre à moi. Pour cette raison, je ne me déplace jamais sans garde du corps et ma villa est hautement sécurisée. Mes ennemis sont vite repérés et arrêtés ou éliminés en temps normal. Sauf que là, cette sensation désagréable me suit jusque dans ma propre chambre à coucher et je ne trouve rien. J'ai beau être sur mes gardes et regarder partout autour de moi, dès que je sens une présence non loin, mais je ne vois rien. Alors, bien que j'ai du mal à y croire moi-même, je me dis que peut-être il s'agirait d'une chose qui n'est pas humaine. Après tout, la plupart des moutons n'auront pas le cran de s'en prendre à moi directement. Et je suis sûre que beaucoup croient en ces choses absurdes que sont les entités surnaturelles et les rituels pour invoquer un quelconque démon, certainement inexistant. Je ne crois pas en ces choses. Cependant, je ne peux nier l'étrangeté de la situation. Et cela commence à m'agacer sérieusement. Je compte donc sur vous pour me trouver la cause et la solution. Votre prix sera le mien. Cela fait plus de 2 semaines et aucun de vous n'a trouvé ne serait-ce que l'once d'une explication. J'aurais dû me douter que vous n'étiez que des incapables, mais peu importe. Ce n'est pas pour ça que je suis revenue. Aussi difficile que ce soit pour moi d'y croire, il s'agit bien d'un fait surnaturel. Je l'ai vu, la chose qui m'observe. C'est une femme avec de longs cheveux noirs et une peau très blanche. Mais celle-ci est plutôt violette sur les contours de son visage et ses épaules. Des écailles couleur bleu nuit recouvrent ses épaules et le contour de ses yeux comme un masque. Elle a un symbole celtique, un triskel, je crois, avec une flèche descendant juste en dessous sur le front et ses lèvres sont de couleur violette. Ses yeux sont effrayants. Ils sont d'un bleu sombre, entièrement bleu. Il n'y a pas de blanc ni de pupille. Mais je pense que ce qui m'a terrifié le plus, ce sont ses ailes.
des ailes bleu nuit comme ses écailles, semblables à celles des chauves-souris, à celles des démons. Elle porte une robe des anciens temps, bleu sombre aussi. J'espère que cette description vous permettra de trouver quelque chose cette fois-ci. Et vite, n'oubliez pas, votre prix sera le mien. Depuis que je l'ai aperçue, je la revois de plus en plus souvent, cette créature monstrueuse. Elle devient plus nette à chaque apparition, et à chaque fois elle est plus proche. Elle a un bâton à la main maintenant. Ou alors est-ce autre chose? Peut-être. Le manche a l'air en bois ou en pierre. Il est marron. Et le haut est en forme de croissant lune. Ou alors c'est une sorte de fourche à deux branches. Mais surtout, il y a une créature vivante enroulée autour. J'ai d'abord cru qu'il s'agissait d'un serpent, mais je crois que c'est plutôt un dragon. Il a des pattes et des ailes. Oh mon Dieu. Vous n'avez toujours rien trouvé? Personne n'a rien trouvé. J'ai moi-même cherché partout, sur internet, dans les livres à la bibliothèque, dans des archives. J'ai même demandé à des soi-disant spécialistes en paranormal. Mais ils m'ont tous dit qu'ils ne pouvaient rien faire. Qu'ils n'avaient jamais entendu parler d'une telle chose. Je ne peux pas. Je n'arrive pas à croire qu'une telle chose m'arrive. J'ai peur. Aidez-moi, je vous en supplie. Cette fois, c'est la fin. Je la vois tous les jours. Partout. Elle m'a presque atteint maintenant. Bientôt, elle m'aura à sa merci. Je poste ce dernier message avant qu'elle vienne me chercher. Que je fasse au moins une chose de bien dans ma vie. J'espère que ce dernier message aidera des gens. Bien que j'en doute. J'avais eu beau chercher partout, dans les histoires d'horreur comme dans les légendes, je ne l'ai trouvé nulle part. J'étais tellement désespérée qu'aujourd'hui je suis allée voir une voyante. Celle-ci m'a tiré les cartes et c'est là que je l'ai vue. Je l'ai reconnue dès que la médium a retourné la carte. Et elle m'a alors tout expliqué. Cette créature s'appelle Lady Alfreda. Et elle vient des cartes. Elle est la carte de la justice, si l'on veut. Lady Alfreda représente, ou plutôt est, la loi du triple retour. La plupart d'entre nous appelons cette loi le karma. Mais il y a une différence. Le karma nous renvoie ce que nous avons fait. La loi du triple nous renvoie aussi nos actions, mais puissance 3. Lady Alfreda aime que justice soit faite. Et elle n'hésite pas à venir elle-même pour appliquer sa loi. Vu tout ce que j'avais fait, je sais ce qui m'attend. Et je ne peux pas fuir. Une fois que Lady Alfreda vous a pris en chasse, il lui est impossible de lui échapper. Tout se déroule sur 3 mois. Le premier mois, elle vous permettra de la sentir. Le deuxième, elle se montrera à vous. Le troisième, elle se rapprochera de vous jusqu'au moment où elle vous emportera avec elle. Nul ne sait ce qu'il advient des malheureux qu'elle attrape. Mais si elle est bien la personnification de cette loi du triple retour, alors je pense que le sort qui m'attend est peu enviable. J'ai peur. Elle est là, je la sens, elle me fixe, elle sait que ce soir, elle va pouvoir me prendre avec elle. J'entends son dragon gronder, et le bruissement de ses ailes qui frottent contre sa robe. Je sens son souffle sur ma nuque. Par pitié, que quelqu'un m'aide.